Bonjour chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Alors c'est l'automne, mais il n'empêche que nous allons poursuivre cette série sur le témoignage chrétien selon l'apôtre Paul. Je me suis un petit peu couvert, mais voilà, peu importe finalement la météo, nous sommes là pour partager la parole. Et puis pour mieux témoigner par les temps qui courent, n'est-ce pas ? Sur ce témoignage dans cette situation qui perdure et qui, selon les spécialistes, risque de durer un petit moment sous une forme ou sous une autre. Le témoignage, je ne sais pas si vous y réfléchissez beaucoup. Moi, je m'interroge beaucoup quand je vois sur les réseaux sociaux, sur les échanges entre les uns les autres. Je vois passer des messages, des images, des vidéos. Et ça a renforcé ma conviction de m'adresser à vous concernant le témoignage chrétien. Et y aurait-il deux croyants, le croyant du sabbat et le croyant de la semaine, l'adventiste du sabbat, le sabbatiste, et puis l'adventiste des autres jours de la semaine, ou le catholique du dimanche et le catholique des autres jours de la semaine. Quand je vois passer certains commentaires, encore une fois. Bon, voilà, ça renforce un petit peu mon idée. Nous allons commencer cette étude, cette fois-ci, sur le temple de Dieu. Nous avons des choses à dire ensemble. Nous prions. Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ton accompagnement, ton salut, pour ton amour, pour ta miséricorde et la paix, pour la joie. Malgré encore une fois les circonstances, malgré ce qui peut nous toucher, atteindre nos foyers, nos couples, notre Église, eh bien tu es présent, tu es bien là. Et à travers cette méditation sur le temple de Dieu, je te prie de m'assister, de nous assister par ton Saint-Esprit pour diriger, toucher les cœurs et que ce ne soit pas que des informations, mais que cela contribue, eh bien, à notre sanctification que tu réalises en nous. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais commencer par... vous connaissez bien, vous recevrez une puissance d'Ellen White. À la page 40, voici ce que notre sœur dit. Une puissance au-dessus et à l'extérieur de l'homme doit agir sur lui, de sorte qu'une solide charpente soutiennent la construction de son caractère. La présence de Dieu doit demeurer dans le sanctuaire intérieur de l'âme. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous ? Question, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 16. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous lirez la suite dans Éphésiens 2, verset 18, et la conclusion d'Ellen White. L'homme ne devient pas par lui-même une habitation de l'esprit. Sans la coopération de la volonté de l'homme avec celle de Dieu, le Seigneur ne peut rien pour lui. Le Seigneur est le grand maître d'œuvre et pourtant l'agent humain doit coopérer avec l'ouvrier divin. Ou alors la divine construction ne pourra s'achever. Toute puissance vient de Dieu, toute gloire doit lui retourner et cependant toute la responsabilité repose sur l'agent humain car Dieu ne peut rien faire sans la coopération de l'homme. C'est un extrait d'un article tiré en 1892 Vous recevrez une puissance, et cet article est dans la Review and Herald, comme je vous l'ai dit, en 1892. Alors oui, effectivement,
Qu'il le sache ou qu'il l'ignore, l'homme a besoin de Dieu. Mais depuis le temps béni où Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, vous connaissez ce texte en 2 Corinthiens 5, 19, où donc un homme qui cherche Dieu peut-il le trouver aujourd'hui ? Le Très-Haut, dont le ciel est le trône et la terre l'escabeau de ses pieds, habiterait-il dans une demeure faite de mains d'homme ? Serait-il dans ces édifices de pierre qui portent le nom d'église et que les touristes, évidemment, de tous les pays visitent, Notre-Dame de Paris, entre autres, où le brouhaha des voix, effectivement, les explications du guide sur l'ancienneté du lieu, la valeur d'une peinture ou d'un détail architectural, est-ce que Dieu serait là ? Serait-il présent ? Vous savez, depuis que Jésus a chassé les vendeurs du temple, vous retrouverez ce passage en Jean 2,15, on a beaucoup épilogué sur cela. Eh bien, serait-il, depuis que effectivement les prêtres ont livré le Christ pour être crucifié, Dieu est sorti des lieux qui lui sont officiellement consacrés. Jérémie 7, verset 4. Comment pourrait-il se trouver Dieu encore au milieu des hommes qui recherchent leur propre gloire plutôt que celle de Dieu seul ? Comment pourrait-il écouter encore les prières de celles et ceux qui trafiquent des choses saintes au lieu d'adorer le Père en esprit et en vérité, et qui, comme autrefois les païens, élevaient à la divinité des statues d'or, des statues de bronze, d'argent, de bois, de pierre, toutes ces idoles ? Comment pourrait-il Dieu reconnaître ceux qui ne cessent de dire « Seigneur, Seigneur, Seigneur » et qui, évidemment, n'obéissent pas à sa parole ? Où trouver ce Dieu puissant, personnel, sur une terre où la religion chrétienne elle-même transgresse la loi de Dieu ? Et où le monde, ne sachant ce qu'il adore, continue de déposer ses couronnes au pied de l'autel de ce fameux Dieu inconnu ? Ça me rappelle l'apôtre Paul. Où est-il ce Dieu vivant et vrai, qui prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, comme dit Matthieu 9, verset 13 ? Où est cet être qui anime de son souffle toutes ses créatures, ce Dieu qui a des pieds pour se mouvoir, une bouche pour parler, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des mains pour secourir et un cœur pour aimer ? Où est-il ? Où est-il ? Dans le tumulte de notre civilisation, faut-il fuir au désert pour entendre sa voix ? Y a-t-il des gens qui s'exilent volontairement dans des endroits très silencieux pour y écouter la voix de Dieu ? Ou alors devons-nous traverser des mers pour le voir, des océans, monter sur des montagnes pour essayer de l'atteindre, ou alors descendre au séjour des morts pour le rencontrer ? Parmi tous les lieux saints de la terre, où trouver donc la maison du Seigneur, le sanctuaire de Dieu, qui est esprit, du Maître qui a parlé pour être obéi et qui veut que ceux qui l'adorent, encore une fois, l'adorent en esprit et en vérité. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul aux païens d'Athènes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes ces choses. Vous retrouverez ce texte dans Actes 17, verset 24. L'apôtre Paul est clair. L'apôtre Paul est clair. Plus tard, il va écrire aux chrétiens de Corinthe. Eh bien, il va s'écrier, après avoir souligné qu'il ne peut y avoir de rapport entre la justice et l'iniquité ou de communion entre la lumière et les ténèbres, voici ce qu'il déclara, « Car nous sommes tous le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6, verset 14. Des siècles avant Jésus-Christ, Ésaïe le prophète avait déjà proclamé « Ainsi parle le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle et dont le nom est saint, Ésaïe 57, verset 15, je lis le texte, « J'habite une demeure élevée et sainte, mais je suis également avec comme l'homme contrit et humble pour ranimer l'esprit des humbles, pour ranimer les cœurs contrits. » Ésaïe 57, verset 15,
Ainsi, les Écritures nous apprennent que Dieu n'est pas servi par nos mains, mais qu'il veut nous servir. Ah, c'est curieux, un Dieu qui nous sert, mais aussi qu'il veut se servir de nos mains pour réaliser ce qui lui plaît. Le véritable service de Dieu n'est donc pas celui que nous croyons accomplir pour lui, mais bien celui que nous le laissons faire en nous, ce service, et par nous, chers amis, et par nous. Non, Dieu n'est pas loin de l'homme, il n'est pas non plus extérieur à cet homme. Pour le trouver, il suffit de s'humilier sous la puissante main de celui qui veut être en nous la force de notre force et la vie de notre vie. La demeure de Dieu dans son tabernacle ici-bas, c'est le cœur de l'homme régénéré. Et voilà, l'habitacle, le tabernacle, c'est mon cœur, c'est votre cœur, évidemment régénéré. En s'incarnant et en expiant les fautes de ses créatures à Golgotha, Dieu n'a pas voulu seulement passer un court moment sur cette terre, 33 ans et demi, je crois. Il est venu pour faire du cœur de ses rachetés son propre temple, afin de pouvoir continuer de manifester sa présence dans le monde en tous ceux qui l'ont cru et en tous ceux qui l'ont reçu, ce don. Être chrétien, puisque c'est le fil de nos entretiens, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement connaître le Sauveur et parler au monde, faire des campagnes d'évangélisation. C'est pas ça être chrétien. Est-ce que c'est même ça devenir chrétien? Être chrétien, eh bien, c'est quelqu'un qui fera du Christ une vie intérieure. Christ ne peut pas rester à l'extérieur de nos vies. Ça, ce n'est pas évidemment être chrétien. Être chrétien, c'est devenir sur la terre l'habitation de Dieu par l'Esprit. N'est-ce pas? L'habitation de Dieu par l'Esprit. Alors, vous chercherez peut-être les hauts lieux du christianisme. Il y en a, il y en a. Certains peuvent penser que c'est Lourdes, ou alors Medjugorje, un haut lieu marial en Serbie. Les hauts lieux du christianisme ne sont pas autre chose que les cœurs, que votre cœur, cher ami. Voilà. Ainsi, quand Dieu appelle un homme au salut, ce n'est pas simplement pour le racheter d'une perdition éternelle, mais pour faire chez lui sa résidence sur la terre, afin que le monde, cherchant les sources de la vie, puisse les trouver dans le cœur même de ce chrétien. Lisez Proverbe 4, verset 23, vous verrez. Proverbe 4, verset 23. Si les hommes ne recherchent pas Dieu, Dieu les cherche encore. Dieu les cherche encore, et il faut le dire. Et quand les hommes ne regardent plus vers le ciel pour trouver Dieu, le ciel, c'est le ciel qui descend sur la terre pour rencontrer les hommes, oui, et leur apporter le message de la réconciliation par les ambassadeurs, message que nous avons vu il y a quelque temps. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, vous connaissez ce psaume 23:6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. M'accompagner, c'est bien le verbe qui a été traduit en français, mais dans l'original hébraïque, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament, ce n'est pas accompagner, mais poursuivre. Et si on pousse le texte un petit peu, oui, poursuivre, poursuivre. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Dieu ne lâche pas l'affaire, Dieu ne lâche pas l'homme. Faible traduction française, vous en conviendrez. Je préfère poursuivre, ne jamais lâcher. Évidemment, psaume 23, verset 6, c'est beaucoup plus fort que simplement accompagner. Mais Dieu fait plus encore. Il accepte de vivre en ce monde, en tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui obéissent de cœur, pas par devoir, obéissance du cœur, n'est-ce pas? Écoutons la parole de Dieu en Jean 14, verset 21. C'est Jésus qui parle. « Celui qui a mes promesses, c'est-à-dire mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. » Ce dévoilement. Je vais
tout te dire de moi, tout te dire, je ne cacherai rien. C'est Dieu qui parle. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, c'est une famille, une triade. Nous allons venir à lui et nous allons tabernacler chez lui, nous allons demeurer. Et en grec, demeurer, c'est quelque chose de provisoire ou quelque chose sur la durée. Eh bien, évidemment, dans ce texte-là, c'est sur la durée. Il ne s'agit pas pour Dieu ou pour nous de recevoir comme cela, de façon provisoire, Christ dans notre vie. Bien sûr que non. Quelle merveilleuse est cette promesse, mais combien peu en réalise la portée et en éprouve la glorieuse réalité en fin de compte. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Nous avons tous une demeure, maison, pavillon, appartement, studio, mais ça, c'est pour nos propres habitations. Mais la demeure que Dieu se propose de faire, c'est extraordinaire cette affaire-là. C'est l'état d'un cœur qui a reçu Christ. Ce n'est plus l'état d'une âme qui entend le Seigneur frapper. Là, il lui ouvre. Hein. Apocalypse 3, verset 20. Ça, c'est un cœur qui a reçu Christ et qui jouit par lui de toute la plénitude de la divinité qui habite en lui corporellement. Autrement dit, chers amis, c'est la félicité d'un être qui a vu la triade céleste faire sa demeure en lui. L'âme qui jouit d'une telle grâce et qui en a conscience ne peut exprimer son bonheur par des paroles humaines. C'est insuffisant, nécessaire. Elle s'abîme devant Dieu dans une adoration profonde, cette âme. Et elle s'abîme au bon sens du terme. Elle ne fait plus parler d'elle, cette âme. Elle ne s'avance pas. Elle ne veut pas prendre la première place. Mais c'est Dieu qui prend la première place. Et cette âme parle de Dieu. On n'est plus dans le faire valoir. On n'est plus dans faire valoir soi-même. Mais on est dans le faire valoir Dieu. Cette âme diminue. Alors que Dieu, Christ, croit dans cette âme. Rappelez-vous, parfum, l'être image, ambassadeur, le chrétien est devenu maintenant le temple du Dieu vivant. Et c'est vrai que dans les milieux évangéliques, on a l'habitude de dire que le Saint-Esprit doit véritablement habiter dans le croyant pour que cette personne, ce croyant, soit véritablement enfant de Dieu. C'est couramment admis dans les milieux évangéliques. Mais combien ont véritablement compris dans ces milieux-là et dans les autres milieux, combien le plan de Dieu, véritablement, quel est ce plan de Dieu pour le croyant? C'est d'être rempli de la toute plénitude de Dieu. Être rempli de la toute plénitude. C'est un très beau texte dans Éphésiens 3, verset 19. Si les Écritures distinguent un Dieu en trois personnes, jamais elles ne séparent. Et jamais elle ne laisse supposer que la divinité serait un genre de triumvirat. Dieu est un et les chrétiens n'ont jamais adoré trois dieux. Lisez Exode 20, verset 3. Comme la pensée, la parole et l'action peuvent appartenir au même être, ainsi le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. En Dieu, la pensée du Père trouve son expression dans le Fils, qui est la parole, hein, le Logos, évidemment, et sa manifestation dans le Saint-Esprit, qui est l'action, évidemment, du Père et du Fils dans le chrétien, évidemment. Pour le salut des hommes en Jésus-Christ, la pensée du Père a été exprimée en parole et en œuvre par Jésus-Christ, le Fils, et s'accomplit encore une fois de plus dans nos vies par le Saint-Esprit. Cette action puissante, encore faut-il que nous le voulions, n'est-ce pas ? Si la vie de Jésus sur la terre nous permet de distinguer nettement cette triade qui est à l'œuvre, le Père parle des cieux, le Fils qui sort de l'eau, le baptême de Jésus, et le Saint-Esprit qui descend évidemment sous la forme d'une colombe, vous le savez. Les évangiles nous montrent qu'on ne peut pas séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'existe pas, c'est anti-biblique, ça ne correspondrait à rien du tout. Rien du tout. Celui qui savait ici-bas, sur cette terre, discerner le Fils, Jean 14, verset 7, il voyait aussi le Père, n'est-ce pas? Il voyait le Père et découvrait dans l'action de Jésus la puissance du Saint-Esprit, Jean 14, verset 9. Ce sont des textes bibliques qui sont clairs.
De cette unité de Dieu que toute la Bible proclame, il résulte qu'il est impossible pour l'homme d'honorer le Père sans honorer le Fils, ou de vivre en communion avec le Père et le Fils sans le Saint-Esprit qui procède du Père et qui rend témoignage au Fils. Chers amis, une étude approfondie des évangiles et des épîtres apporte, je pense en tout cas, modestement, une grande clarté à ce sujet si important. Un homme peut-il connaître le Père sans avoir reçu le Fils? Et peut-il s'appeler enfant de Dieu sans connaître le Père? Vous avez vous-même la réponse. D'autre part, peut-il avoir accepté le Fils sans que le Saint-Esprit l'ait convaincu de péché? Ça va devenir un peu compliqué, cette affaire-là. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, dit l'apôtre, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Je répète, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, dit l'apôtre, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Puisque toute la plénitude habite en Christ, je ne puis avoir le Christ sans posséder en lui, toujours en Christ, cette même plénitude. Il n'y a pas pour moi Jésus d'un côté et la plénitude, mais la plénitude en Christ. Avoir Christ, c'est posséder la plénitude. Mais la posséder, ce n'est pas encore jouir ou la manifester. Pour que la plénitude qui habite en Christ produise ses fruits dans nos vies, il faut évidemment lui accorder la première place. Il faut qu'il tienne cette première place. Colossiens 1, verset 18. Chers amis, cessez de tourner désespérément vos regards vers le ciel dans l'attente d'une effusion extraordinaire du Saint-Esprit qui descendrait comme ça, simplement parce qu'on l'a prié ou parce qu'on l'appelle. Viens, descends, descends, je t'ordonne de descendre, puisque au fond, c'est ce que le cœur pense. La bouche n'avoue pas, mais on donne des ordres au Saint-Esprit parfois. Ne placez pas votre confiance dans des mains qui ne sont pas percées pour recevoir la grâce physique ou spirituelle de votre âme. Cessez de tendre l'oreille vers ceux qui vous promettent des dons surnaturels en réponse à des réunions spéciales où dans ces réunions on attend le Saint-Esprit. Non, ce que je vous propose plutôt, encore une fois, allez plutôt dans votre chambre, fermez la porte derrière vous. Là, seul devant Dieu, dans le silence, vous pouvez vous agenouiller et dans le calme et dans la décence qui convienne à la présence d'un Dieu trois fois saint. Rentrez en vous-même, je ne fais pas de psychologie, vous m'avez compris, et vous ne tarderez pas à percevoir évidemment tout ce qui fait obstacle, eh bien, à recevoir une vie abondante de la part du Seigneur, et tout ce qui, vous et moi, nous empêche, eh bien, d'avoir cette plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Alors là, vous verrez que les écluses de votre cœur, eh bien, trop longtemps bloqué par des péchés, Proverbe 28, verset 13, eh bien ces écluses, elles vont s'ouvrir, elles ne peuvent pas toujours s'ouvrir parce qu'on est attaché immodérément à certaines choses qui sont évidemment nocives pour notre vie spirituelle. Aujourd'hui, chers amis, hélas, l'homme divise tout, l'homme désintègre tout, et c'est de plus en plus la confusion, les faux jugements, l'appauvrissement et la mort. Ainsi, que voit-on? Des églises qui pensent devoir se réclamer plutôt du Père que du Fils, tandis que d'autres croient être plus spécialement les églises du Saint-Esprit. Confusion, confusion, confusion. Et pourtant, le Dieu de Jésus-Christ, celui qu'il est venu nous faire connaître afin qu'en lui nous ayons la vie éternelle, Jean 3, 16, c'est le Dieu tout entier qui veut habiter dans l'homme tout entier. D'ailleurs, l'apôtre Paul, parlant de notre sanctification, a décrit l'homme en ces termes, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, esprit, âme, corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Il y a une foule de textes qui confirment que la Bible distingue trois parties en l'homme, mais si elle les distingue, elle ne les sépare jamais, car la séparation produirait évidemment la mort. Alors oui, l'esprit, l'âme et le corps. Un petit mot sur l'esprit, si vous permettez. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Cet esprit, il sonde toutes les profondeurs du cœur.
L'esprit est cet organe supérieur et invisible de l'âme et distinct de celle-ci. L'âme, eh bien l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme est donc la vie naturelle, la vie animale et psychique de l'homme. C'est tout ce qui forme notre personnalité, intelligence, mémoire, sentiment, volonté. L'âme est donc le siège, évidemment, du sentiment, l'habitation du moi. Le corps, ben, c'est l'aspect le plus visible, hein. Bras, jambes, tête, oreilles, évidemment. Le corps, c'est l'enveloppe, évidemment. Donc, à l'origine, l'esprit de l'homme uni au Seigneur devait diriger l'âme et dominer le corps. Et depuis la chute, malheureusement, l'homme irrégénéré, eh bien, son esprit coupé de son Créateur. Et cet esprit dans les ténèbres, malheureusement. Malheureusement. Ah, chers amis, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. L'homme, loin de Dieu, n'est plus qu'un esclave et Satan a établi sa domination sur lui par les convoitises. Il contrôle son intelligence, il contrôle sa mémoire, il contrôle ses sentiments, il contrôle sa volonté, et ça depuis la chute. Il ne faudrait rien moins que l'intervention puissante du Saint-Esprit pour convaincre l'homme de sa misère et de son péché et l'amener évidemment à soupirer après une délivrance. Seul le Saint-Esprit pourra vivifier l'esprit de l'homme irrégénéré et le conduire à Jésus et à cette vérité qui est Jésus et qui affranchira cet homme. L'homme peut par mille moyens toucher et impressionner l'âme humaine, mais seul l'Esprit de Dieu peut atteindre l'esprit de l'homme et amener dans l'être tout entier une conversion véritable. Si l'âme seule a été touchée, le changement sera superficiel et de courte durée. Mais si l'esprit a été régénéré et vivifié par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, alors, là vous verrez les fruits, évidemment, de l'esprit. Chers amis, si quelqu'un m'aime, Jésus l'a dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure. Qu'est-ce que c'est beau comme texte, n'est-ce pas? Dans l'homme tout entier, le Dieu tout entier vient faire sa demeure. Et cette habitation du Dieu vivant en nous a des conséquences pratiques incalculables. Et je vais en citer quelques-unes. Dieu en notre esprit devient la source de nos pensées. Sa volonté cesse de nous être étrangère. Elle devient au contraire notre nourriture quotidienne. Ce qui pour nous est toujours le meilleur. On ne se le dit peut-être pas assez ou on n'est peut-être pas assez convaincu. Ces voix jadis incompréhensibles vont s'éclairer aujourd'hui et fera jaillir de nos lèvres évidemment des chants de l'adoration, des louanges. Jésus devient du coup le Seigneur de mon âme et il prend possession de tout ce qui lui appartient. Il s'établit, il établit à toute puissance pour éclairer mon intelligence. Évidemment, ainsi, par le renoncement à moi-même, eh bien, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Christ qui vit en nous. Enfin, le Saint-Esprit devient le maître de notre corps. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez été racheté, le corps, l'esprit, l'âme, c'est un tout, chers amis, c'est un tout. Et dans ce tout, Dieu veut tabernacler, il veut faire de ce tout indissociable, son temple. C'est plus qu'un projet, c'est plus qu'un projet, c'est la volonté de Dieu pour vous et moi en ce début de sabbat. Sabbat après sabbat, et surtout en ce moment, et jour après jour, nous réfléchissons. Nous disons que nous avons du temps pour méditer, du temps pour prier. Ce ne sont pas les programmes qui manquent. Est-ce qu'on réfléchit véritablement encore à des choses existentielles, des thèmes existentiels où nous ne sommes que des machines à manger et digérer des programmes? Est-ce que c'est ça finalement le christianisme? Non, je pense qu'il faut profiter de ce temps, et vous en conviendrez, pour réfléchir vraiment au thème biblique existentiel.
Suis-je véritablement le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu? Alors, ce corps de chair livré au Seigneur reste un vase de terre qui s'use et qui se détruit, mais qui cependant contient le plus grand des trésors. Possédé par l'Esprit, le corps lui-même repose en sécurité, sachant que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Quelle espérance! Mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre au quotidien. Romains 8, verset 11. Je répète, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite. Cette obsession positive de Paul de faire de l'homme converti, régénéré, une habitation, non pas de démon, mais de Dieu dans toutes ses composantes. Chers amis, chers amis, qu'en tout temps, et ce sera ma conclusion, qu'en tout temps, l'homme qui cherche Dieu puisse le trouver en nous, et que celui qui cherche l'homme ne le trouve plus qu'en Christ. Amen.